Claude, bonjour. Tu m'as amené à la Louvière, pourquoi ? Depuis 11 ans, des dames bénévoles, un cuistot bénévole, Gilles, nous offre à tous 200 équipages, plus les marcheurs, plus les jeunes du CME, gratuitement. Je vous dis vraiment gratuitement leur service, leur temps, pour nous faire manger dans de bonnes conditions, assis au chaud. Je tenais à les remercier car malheureusement la cuisine est remplacée par une entreprise que je ne citerai pas, mais bon, qui sert les hôpitaux, alors on ne vient pas à mal manger, donc je pense qu'on changera de cantine. En les remerciant encore tous, bien fort, hein, de la part des motards et de tous leurs bénévoles, merci. Alors Gilles, bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous leur préparez à ces motards encore pour le dernier repas ? Pour le dernier repas, aujourd'hui on a fait encore fort, nous avons en entrée une salade de concombre. Après nous avons des pâtes fraîches farcies à la sauce tomate, un plateau de fromage, et en dessert il y a des éclairs au chocolat. 11 ans c'est pas rien quand même. Ah, ça commence à faire maintenant, hein. On fait partie de la famille. Tout à fait. Et très fier d'en faire partie d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, je crois que c'est le grand merci, finalement. Hein. C'est un très, très, très grand merci. Et c'est bien dommage que nous ne puissions pas continuer comme chaque année à venir. Parce que au départ, c'était « S'il te plaît, Gilles ». Après, c'était au mois d'octobre. « Non, mais laisse tomber, j'ai déjà tout prévu. » Donc, on n'avait plus rien à s'occuper. Hein. Et qu'on vienne manger, qu'il soit midi, qu'il soit 1h de l'après-midi, il est toujours en train de nous attendre, même les derniers retardataires qui arrivent. Mais alors ceux-là, ils se font souvent sonner les cloches à 2h30 de l'après-midi. Ça arrive aussi. Ah, quelquefois, ça arrive. Oui, quand on avait coin sur seille avec nous, une fois, ils ont même mangé à 3h. C'était très plaisant pour les gens qui donnent de leur temps. Mais ça, ça fait rien. Bon, ça fait plaisir. On l'a oublié. On l'a oublié. Alors l'année prochaine, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez monter sur les motos ? Non, bah on va essayer de trouver une solution quand même pour faire quelque chose. Hein. Je change juste d'endroit, je vais passer en face au centre, donc on essaiera de trouver une solution si on peut faire ça là-bas. Il y aura toujours moyen de s'arranger, on ne sait jamais. Bah, merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Et merci, et un grand, grand, grand merci à eux.